Bonjour tout le monde. Alors, hop. Donc moi je vous parlais, comme le titre indique, d'API et de sécurité. Ça sera surtout en fait un petit medley de retour d'expérience sur tout ce qu'on a pu vivre, nous en tout cas à Decathlon, avec parfois des choses qui paraissent bêtes, mais sur lesquelles on peut se planter, et puis des fois j'espère des choses un peu plus techniques pour vous. Donc moi... Donc, je m'appelle Alexandre Faria, je travaille à Decathlon. Donc Decathlon, rapidement, vu qu'on sponsorise un peu l'événement, on est 100 000 personnes à l'international. On fait des articles de sport, comme vous le savez, je pense, du design, production, supply, retail, on fait tout de A à Z sur la chaîne, sur du coup, je sais plus combien de pays, mais enfin pas mal de pays. Donc après, voilà. Donc, alors vite fait, pourquoi la sécu sur les API? Bon, je pense que je vais passer les premiers slides qui sont plutôt évidents. Les API, vous en avez tous entendu parler, il y en a partout. Il y a eu un petit changement de paradigme, surtout au niveau des entreprises, où avant on avait plutôt la tendance à construire un SI dans lequel on se mettait dans une muraille, on se protégeait de l'extérieur. Finalement, en venant avec les API, on n'arrête pas de s'ouvrir à l'externe. Et donc là, c'est un peu comme si on était en train de faire plein de trous dans le mur. Donc la sécu telle qu'on la voyait avant n'est plus exactement la même. Aussi, pourquoi les API? Je ne sais pas si vous connaissez l'OASP, j'en parle un peu plus tard, mais l'OASP, c'est un organisme qui référence le top 10 des failles les plus utilisées, pas forcément les plus faciles, mais les plus utilisées pour hacker un site web. Et sur un draft en cours, qui n'est pas encore publié, ils mettent l'API dans le top 10, et je ne sais plus exactement quelle position, mais pour du coup mettre en valeur, l'API n'est pas finalement une faille, mais juste pour mettre en évidence que les hackers ont plutôt tendance maintenant à se concentrer sur les API, parce que quand ils attaquaient un site web, c'était soit pour vous faire une attaque par déni de service, ce qu'ils peuvent réussir avec les API, soit récupérer vos données, donc dans ce cas-là, autant attaquer les API qui sont à la source de la donnée. Alors quel risque si on ne sécurise pas? Je vais aller très vite, mais en gros vol d'identité, indisponibilité du service. Je pense que vous avez tous connu l'affaire de PlayStation ou sur les médias comme TF1, donc passer sur des grands journaux pour ce genre de choses. Bon, celle qui parle peut-être plus aux entreprises, les pénalités financières. Voilà, donc ça c'était pour faire rapide. Et du coup, il y a quelques actions basiques avant d'entrer dans le détail des API, etc. La première, à défaut de faire rire, mais c'est toujours bien de le rappeler, le petit S de HTTPS. On a vu encore beaucoup d'API tout simplement pas exposées au travers d'un canal sécurisé. Et donc du coup, en termes de canal, c'est plutôt TLS 1.2 minimum et au-dessus si vous pouvez éviter d'aller en dessous. Ensuite, juste des petits rappels basiques quand vous développez une API, les headers. Tout ce qui est données sensibles, que ce soit des credentials ou un numéro de compte en banque, évitez de les passer en query parameter pour la simple raison que généralement dans vos serveurs de log, vous loguez toute la requête query parameter inclus et que du coup, que ce soit un token ou des infos confidentielles, c'est quand même dommage de se retrouver ça dans un fichier de log. Parce que lui, ce fichier de log peut être accessible par d'autres personnes. On peut configurer aussi les serveurs pour qu'ils loguent également les headers, mais généralement la config par défaut, c'est URL plus query parameter. Donc ça reste une bonne pratique. Évitez de mettre vos credentials dans le source code, je vais vite, mais ça fait rire, mais en fait à force de le voir et de le revoir, enfin, des fois on veut aller un peu vite et on met ça de côté et puis c'est quelque chose qui reste et quand on est en production c'est un peu con. J'aurais dû utiliser un autre mot. Le top 10 de l'OASP, donc je vous en parlais. L'OASP c'est une organisation à but non lucratif. Elle référence régulièrement un top 10 de ce qui est utilisé pour attaquer les sites web. Généralement, là, ce qui ressort régulièrement, donc le dernier report date de 2017, et ce qui, généralement, les premiers sont souvent les mêmes, et l'injection est toujours dans le top. Donc pour l'injection, ce que je vais faire, c'est que je vais me permettre de vous faire une petite démo, un petit test, injection JavaScript, injection SQL, tout le monde qui ne connaît pas, j'aurais dû dire qui connaît peut-être, pas beaucoup mieux. Donc, je voulais faire vite fait une petite démo. En gros, j'ai une page de login basique dans laquelle je me log et je me délogue. Si ça marche, c'est bon. Paf, la petite référence, vous m'en voudrez pas. Du coup, alors je reprends pour info tout ce dont je vous parle. Je laisse les liens après. Les slides sont dispo sur un slideshare et le git est dispo sur mon GitHub et il y a tous les liens en fin de prise.
Ici, ce que je vais récupérer directement parce que je suis un fainéant, l'injection SQL. Alors j'aurais dû. Hop. Donc ici, l'idée, c'est de, voilà, de venir casser finalement une requête. Donc la requête SQL, généralement, une mauvaise pratique, c'est de chaîner, de concaténer les chaînes de caractères et donc de construire une requête manuellement. Et donc ici, l'idée, c'est de mettre ce qu'on veut dans le login et de venir coller un bout de requête qui est finalement, je viens casser, dire tout simplement que je m'en fous du mot de passe et mon user ce sera un admin. Et du coup, je viens mettre des double dash pour casser la requête qui vient être concaténée derrière. C'est quelque chose pour la démo, pour la petite info. J'ai eu du mal à le faire parce qu'en fait, quand on prend des frameworks. Aujourd'hui, c'est plus possible nativement. Aujourd'hui, vous prenez un, vous avez une table, vous utilisez du GPA ou autre, et c'est nativement protégé. Par contre, dès lors qu'on commence à avoir des requêtes un peu plus compliquées, qu'on va faire des jointures à la main, donc à chaque fois, c'est en fait l'erreur est bien quand on fait quelque chose à la main. Et donc, dès qu'on est un peu pressé par le temps ou autre, et voilà, je vais rajouter une jointure, je vais commencer à écrire la requête par moi-même, c'est généralement à ce moment-là qu'on oublie de passer par des prepared statements, parfois. Ou presque ou jamais pour vous, j'espère. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on introduit finalement une faille de ce type-là. Donc l'injection SQL, ça c'était un exemple, mais vous avez des exemples d'injection JavaScript, etc. Le site de l'OASP, il est vraiment, c'est vraiment une bible à ce niveau-là. Il y a plein d'exercices, il y a plein de, enfin, c'est vraiment très très complet. Donc si ça vous intéresse, je vous invite très fortement à aller regarder le contenu de leur site. Non, j'ai perdu le fil. Donc maintenant, si on se concentre un peu plus sur les API, une première bonne pratique lorsque vous voulez commencer à penser à la sécurité de vos API, c'est de mettre en place une brique d'API management. Je ferai une presse, enfin, j'en parle un peu plus tard sur la fin. Et tout ce qui est authentification, identification, d'utiliser une brique dédiée dont c'est le job, qu'on appelle généralement Authorization Server ou Identity Provider. J'ai mis les Web Application Firewall aussi au milieu. Ils sont plutôt décriés parce qu'à la base ils ont été destinés plutôt pour gérer les pages web. Par contre, une API, ça reste une API web, ça reste une application web qui fait du HTTP, du requêtage. Et donc vous avez des solutions qui permettent de vous faire du filtrage IP plutôt de type hardware. Et ça restera toujours plus efficace qu'une solution software quand vous avez des contraintes de sécurité vraiment sur des attaques type DDoS, etc. Donc ça reste finalement une bonne pratique. Il y a des solutions qui essayent de se mettre à jour et de prendre le pas avec les API. Par contre, sur la partie WAF, j'en parle pas du tout aujourd'hui. Je vais faire un petit focus sur les identity providers. La première chose, c'est de faire une grande différence entre l'authentification et l'autorisation. Et d'ailleurs, en termes d'API, c'est en gros, c'est résumer la différence entre un 401 et un 403. Finalement, je m'authentifie. C'est juste dire, ça revient un peu à aussi l'identification, c'est je dis qui je suis. Et donc, à partir du moment où l'API ne sait pas qui vous êtes, elle retournera systématiquement à 401. Ça veut dire que vous n'avez soit pas de token, soit vous n'êtes pas authentifié, soit vous êtes authentifié mais elle ne vous connaît pas, votre token est invalide, etc. Ensuite vient le 403, c'est que finalement, je sais que toi, consommateur de l'API, tu es Alexandre derrière l'appel, ton token il est derrière c'est Alexandre Faria. Par contre, tu n'es pas autorisé à accéder à la donnée de Grégoire, ton collègue à côté. Et donc là, on est plutôt sur des règles d'autorisation, donc de un peu business, etc. Et du coup, sur l'authentification, l'autorisation, on a finalement deux spécifications qui existent. Vous avez FIDO, qui est une spécification plutôt pour l'identification, tout ce qui est finalement mire de login. FIDO est connu pour, entre autres, leur clé pour les two factors authentication, avec la mise en place, je ne sais pas si je l'ai dans le slide suivant, ouais, de double facteur, donc en gros, authentification via un code par SMS, authentification, enfin, confirmation par une application qu'on va swiper sur une Apple Watch, sur une clé USB dans laquelle il y a une clé qui aura été préenregistrée. L'idée, voilà, c'est ce que vous connaissez lorsque vous utilisez votre compte Google sur un nouvel ordinateur et que vous recevez un SMS. L'idée, c'est bien de confirmer, au-delà du login password, que vous êtes bien la personne qui essaie de s'authentifier. Et ce qui est plutôt sympa auprès de la FIDO, c'est qu'à l'instar de ce qu'il y a dans OAuth 2, c'est que vous commencez à avoir finalement beaucoup de diagrammes de séquence avec tout simplement, ils sont en train de normer finalement
exactement le flow d'authentification et pas d'autorisation. Ensuite, toujours en termes de sécu, sur l'authentification, un prérequis, c'est mettez du captcha dès que vous pouvez, tout simplement pour éviter tout ce qui est brute force. J'espère que ça arrivera, je pense, à toutes les boîtes, mais sur tout ce qui est dark web, on trouve facilement des bases de données avec des login password. Pas forcément, si je prends notre exemple, pas forcément une base de données de login password Decathlon, mais beaucoup d'utilisateurs conservent le même mot de passe sur tout leur site web. Et donc, généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent une base de données existante et vont tout simplement essayer de voir si l'utilisateur de la base de données en question n'aurait pas un compte sur le site web qu'il cible. Et donc, le captcha, à quoi ça sert? C'est tout simplement pour détecter si sur une même adresse IP, au bout de X tentatives, et en échec ou pas, vous trouvez un comportement anormal, vous commencez du coup à déclencher un captcha pour finalement casser le process d'authentification et éviter qu'on puisse brute forcer votre application. Donc ici, on est vraiment sur la première brique authentification, c'est deux mesures vraiment basiques. Enfin, si vous pouvez, c'est une autre brique d'authentification séparée. Si vous pouvez mettre du 2FA, il y a même de la biométrie, enfin, il y a plein de choses aujourd'hui. Et idéalement, sur votre mire de login, surtout sur les sites e-commerce ou autres, mettre du captcha en place. Ensuite, on va parler, donc là c'était plutôt le pan authentification finalement qu'on a pu voir, que j'avais parlé tout à l'heure, et ensuite il y a l'autorisation. Donc, l'autorisation, c'est bien le fait de oui, tu as le droit de consommer telle ressource. Là, on est sur une spec qui s'appelle OAuth2, puis ensuite OpenID Connect. Donc OAuth2, c'est un framework qui ne parle que d'autorisation. Et quand vous lisez les specs, systématiquement, ils répètent que la partie authentification, à savoir la mire de login, est en dehors de leur scope. Ils ne parlent pas de ça dans leur spécification. Eux se contentent uniquement sur comment gérer les droits et dire si oui ou non tel token, ou comment récupérer ces fameux tokens. Mais après, que vous utilisez une mire de login ou autre chose, c'est plus trop leur. C'est plus dans la spec. Et donc je vais faire un petit focus sur OAuth 2 juste après. Et finalement, OpenID Connect, c'est une extension, une surcharge à cette brique OAuth 2 qui vient, elle, à rajouter des flows supplémentaires. Et puis là, cette fois-ci, il parle un peu d'authentification également. À la base, avant d'OpenID Connect, on avait OpenID. De mémoire, OpenID, c'était la promesse initiale, c'était d'avoir un ID unique sur tous les sites web, en fait. Donc d'avoir un open identification. Et avec l'arrivée d'OAuth 2, ils ont décidé de faire OpenID Connect, de reprendre tout le travail d'OAuth 2 et du coup de surcharger la spec avec cette notion d'identifiant qu'on pourra voir plus tard. Donc, je vais faire un focus assez rapide sur OAuth 2. Le but, enfin, sur OAuth 2, c'est bien de récupérer un token. Ce token, finalement, c'est le sésame, c'est ce qui va vous permettre de consommer l'API. Donc, si à partir du moment où vous avez une API sécurisée, généralement, voilà, le conseil, c'est bien de mettre une brique d'authentification, autorisation en amont. Et l'API, elle, son boulot sera uniquement de valider si un token est valide ou non, et donc d'accéder à la ressource. C'est pas du rôle de l'API de prendre en charge l'authentification et l'identification. Vous devez vraiment séparer les rôles et utiliser des briques différentes. Et donc, ce token, comment on le récupère? Il y a des flows et des spécifications qui l'expliquent. Et pour vous expliquer les flows, j'ai besoin de vous expliquer finalement les quatre grands rôles majeurs et uniques en fait d'OAuth 2. Le premier, on parle de client. Et le client est un faux ami en français. Ce n'est pas l'utilisateur ou le client, en tout cas nous, Decathlon, le client en magasin. On parle bien du client applicatif. C'est pour ça qu'on parle de client ID, client secret. Ce sera l'application qui sera en charge de faire les requêtes HTTP. Un mobile, un site web, peu importe. Ensuite, on a le ressource serveur. Le ressource serveur, c'est votre API. C'est le serveur qui héberge les données et qui les expose au travers d'une API. Et comme on a ressource serveur, on a ressource owner. Parce que ce que vous devez absolument comprendre, c'est que même si votre API vous appartient et que les données, c'est vous qui les stockez, quand vous avez des données utilisateurs, la donnée reste la propriété de l'utilisateur. Et donc le ressource owner, c'est bien finalement l'utilisateur qui a ces données chez vous dans votre API et qui détient les credentials capables de s'authentifier et de récupérer ce fameux token. Enfin, on a l'authorization server ou l'identity provider, donc c'est la brique en charge d'afficher la mire de login, et en tout cas, surtout pardon, ici, de vérifier vos credentials et donc de confirmer votre identité et donc de vous donner un token qui va bien. Des authorization servers les plus communs, vous avez Facebook, Google, typiquement, ce sont des outils qui sont utilisés comme IDP. Une fois que vous avez ces quatre rôles en tête, là on va parler de flow. Et donc là,
Je vais vous parler finalement de ce que nous on a mis en place à Decathlon, qui sont des bonnes pratiques tout simplement à mettre en place sur vos applications. La première, c'est un flow qu'on appelle Authorization Code, ou plus communément le code flow. L'idée, c'est de dire que vous avez un bac dans votre application sur lequel vous allez pouvoir stocker un client secret. Et donc à partir du moment où vous avez la capacité à protéger votre client secret, donc à le garder secret, ça porte bien son nom pour le coup, dans ce cas, vous pouvez utiliser le code flow. Et très rapidement, vous faites en gros une requête d'autorisation. L'application demande à un Facebook, j'aimerais authentifier un utilisateur. Il va afficher la mire de login. L'utilisateur met son login password. L'application reçoit un code qu'elle envoie à son bac. Et le bac, lui, qui contient le client secret, va envoyer ce code plus ce client secret auprès de l'authorization server. En échange, il récupérera le fameux SESAM, qui est le token d'accès, donc ce qu'on appelle l'access token pour consommer vos API. Et puis ici, on a la possibilité de récupérer un refresh token également. Et c'est d'ailleurs quasiment un des rares flows où on peut récupérer un refresh token parce que considéré comme suffisamment sécurisé. Au-dessus du code flow, vous avez une autre norme qui est apparue, qui était une surcharge finalement au code flow. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les applications mobiles, il y a une faille qui était connue. Quand on reçoit le code en réponse sur la WebView, toutes les applications qui sont installées, notamment sur Android, sur votre mobile, peuvent demander tout ce qui arrive sur telle adresse, je veux que tu me notifies du contenu. Et donc, si vous avez votre application à la base qui est à l'origine de la requête, mais une application malicieuse à côté, elle peut récupérer le code. Et comme votre client secret, si vous aviez un client secret dans le code, on peut décompiler l'app et le récupérer. Finalement, l'application malicieuse, c'est facile pour elle de récupérer le code, le secret, et de récupérer les tokens à la place de l'application légitime. Du coup, pour bypasser ce problème, ils ont fait une extension au code qui s'appelle le PKCE pour Proof Key Code Exchange. L'idée est assez simple, c'est que le mobile, les applications malicieuses ne peuvent écouter, enfin n'être notifiées que ce qui rentre en termes de réponse sur la WebView uniquement. Du coup, l'idée c'est d'envoyer une requête avec un code aléatoire que vous générez vous-même. Là, l'application malicieuse ne peut pas le connaître. Le process de login se fait normalement. Le code ici réceptionné, l'application malicieuse peut le connaître, mais de toute façon, pour récupérer l'access token, il faut envoyer le code qui a été récupéré et le PKCE, soit à l'identique, soit en mode SHA, SHA-256, enfin, ça dépend de ce que vous choisissez. Et du coup, à partir de là, vous récupérez également le token et le refresh token. Donc ça permet de contourner le problème qui était rencontré surtout sur les applications Android. Et du coup, il n'y a pas de secret. Donc généralement, quand vous allez sur un IDP ou sur des solutions d'authentification et que vous dites que vous êtes une application mobile, si elle est à jour, vous n'aurez pas de client secret. Si vous avez un client secret, c'est que du coup, il faut peut-être regarder d'autres solutions. Ça va? Je vais enchaîner avec quelques flows. Normalement, ça, c'est des flows qui sont plutôt connus et je pense que la grande majorité d'entre vous connaissez. Un autre flow était l'implicite. Et l'implicite, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, nous, on le préconisait pour les single page applications. Tout simplement parce que comme vous n'avez pas de client secret, vu que c'est une application JavaScript et que tout est chargé dans le navigateur, ce serait plus un secret. Et donc à partir du moment où vous n'avez pas de secret, vous ne pouvez pas avoir de refresh token. Et donc l'idée, c'était un échange direct entre la single page et l'authorization server. Et en fait, aujourd'hui, on considère que ce n'est toujours pas une bonne pratique d'utiliser ce flow-là, parce que dans la réponse, ce qui va se passer, c'est que l'access token est renvoyé en fragments dans l'URL de votre navigateur. Et du coup, à partir de ce moment-là, ça apparaît dans l'historique du browser, c'est de toute façon récupérable, et même si vous imaginez que vous déloguez de la session et que vous êtes sur un, alors ça arrive pas souvent non plus, mais vous êtes sur un poste qui n'est pas le vôtre, il suffit de regarder l'historique de votre navigateur pour récupérer le token et donc se reloguer à votre place. Donc du coup, la best practice pour les single page applications, c'est de faire exactement comme les mobiles en fait, c'est d'utiliser le code plus PKCE. Il n'y a pas de client secret, vous utilisez du code avec le proof key, enfin le PKCE. Ça veut dire que ça implique derrière que vous avez un petit bout de JavaScript qui sera en charge de faire un appel direct sans passer par la WebView pour échanger le code contre un token. Du coup, c'est ce flow-là qu'il faut utiliser pour vos SPA et finalement, l'implicite n'est plus à utiliser. Un autre flow, jusqu'ici, on a authentifié des utilisateurs. Des humains qui sont capables de mettre un login et un password. Par contre, vous aurez certainement des use cases où vous allez avoir des API, des batchs, enfin du serveur to serveur. À partir de là, il y a un flow qui est préconisé, tout simplement le client credential, qui est tout bête. Vous avez un client ID, un client secret, il fait un post et il demande un token.
C'est vraiment le flow. Ici, il n'y a pas de mire de login. Et du coup, on se retrouve avec, quand vous avez des solutions OpenID, avec des tokens typés différents. Vous aurez soit des tokens utilisateurs, soit des tokens client, qui en fait identifient non pas un utilisateur, mais identifient une application. Comme c'est des flows qui sont plutôt connus, je me suis permis de mettre celui-là aussi, généralement il est connu. Un autre flow s'appelle le ressource, ROPC, ressource owner password credential. Ici, l'idée, c'est de dire finalement, j'ai souvent entendu, notamment à Decathlon, c'est embêtant de passer par une mire de login, parce qu'en termes d'user experience, c'est pas top qu'on a un balancement de l'application native vers une web view, puis après on revient en arrière, c'est pas très très sexy. Et du coup, ce qui est possible de faire, c'est de dire à partir du moment où vous maîtrisez le code de A à Z, c'est-à-dire que vous êtes, donc si je prends l'exemple de Decathlon, Decathlon, c'est vous qui développez l'application mobile, donc vous savez quel est le contenu du code et qu'est-ce que vous faites avec l'Authorization Server, vous pourriez bypasser la mire de login et tout simplement dire, moi j'ai un client ID, un client secret, et par contre nativement j'ai demandé dans mon IHM natif un login password d'utilisateur et je vais m'authentifier. Et donc envoyer deux jeux de finalement de password. Moi, autant application, voilà qui je suis, et je veux authentifier un utilisateur dont voici les credentials. Donc c'est voilà, c'est une requête POST, pas de mire de login dans ce contexte-là. C'est forcément, il y a très peu de use case où vous pouvez l'utiliser, parce que vous n'allez pas mettre votre mot de passe Facebook dans une application non Facebook, enfin, dans une application native qui n'est pas Facebook. Donc le cas d'utilisation est vraiment vraiment limité. Et aussi le problème. C'est que si vous repensez au CAPTCHA comme je vous ai parlé tout à l'heure, l'avantage du CAPTCHA, c'est que s'il y a un brute force, vous pouvez déclencher un CAPTCHA pour essayer de finalement de casser le truc. Ici, si vous avez une API, vous décompilez l'application, là il n'y a plus de CAPTCHA possible et donc il y a de nouveau cap possible de refaire un brute force. Et donc moi, juste pour cette raison-là, je vous déconseille tout simplement d'utiliser le ROPC, même si vous maîtrisez tout de A à Z. D'autres flows, alors celui-là il n'est pas très commun, mais il a été utilisé pendant une période. L'idée c'était de dire finalement vous avez un device sur lequel vous n'avez pas d'input, vous n'avez pas de clavier, vous n'avez pas de possibilité de mettre votre login password. Et donc en fait ce que fait c'est que si vous voulez vous authentifier avec votre compte Google, la machine fait une requête auprès de, ici par exemple Google ou votre IDP, reçoit un code qui va vous afficher auprès de son écran. Vous allez aller sur la mire de login, enfin sur l'application. Il vous donne une application, vous allez sur l'application qui va vous rediriger vers la mire de login Google. Vous allez devoir saisir après votre login password ce fameux code pour prouver que c'est bien vous qui donnez les accès. Et lui, finalement, il va poller régulièrement le serveur jusqu'à ce que le Google lui dise bah, c'est bon, il s'est bien authentifié et donc récupérer l'access token en votre place. Donc, ça, c'est un flow qui est plutôt pratique pour les appareils qui n'ont pas d'interface de saisie. Moi, je ne l'ai pas vu énormément, éventuellement sur des IoT, mais même sur l'IoT, ça se fait de moins en moins avec tout ce qui est connexion Bluetooth, etc. Ensuite, quelques drafts, en espérant que ceux-là vous les connaissez pas, mais on verra. Le premier, avec un nom un peu barbare, le Client Initiated Backchannel Authentication. Donc là, ce flow-là, nous, enfin moi en tout cas, je l'adore plutôt, j'ai hâte qu'il soit finalisé. L'idée, c'est de dire, imaginez, et je prends pour le coup un use case Decathlon, vous avez une borne en plein magasin, donc aujourd'hui on ne l'utilise pas encore, mais vous avez une borne en plein magasin, et le vendeur vous demande de vous authentifier. Alors, tout le monde n'est pas sensibilisé à la sécurité, mais généralement, dès lors que vous mettez votre login password sur une borne qui ne vous appartient pas, c'est généralement pas très très préconisé. Je pense que, en tant qu'informaticien, vous le savez, mais les utilisateurs ne le sont pas forcément. Et donc, l'idée, c'est de dire, c'est un peu comme le device code, c'est de dire, le vendeur va aller sur la page et va demander à pouvoir authentifier un utilisateur. Il va prendre son ID. Et en fait, l'utilisateur sur son mobile, s'il a l'application Decathlon, va être notifié d'une demande de connexion. Il va s'authentifier, swiper, dire bon bah oui, j'autorise la connexion. Et du coup, l'application qui est là, sans avoir mis le login password dans la borne, va pouvoir récupérer le fameux Sésame pour pouvoir faire les appels d'API en votre nom, avec un token valide 5 minutes ou autre. Et donc pouvoir éventuellement faire une commande à votre nom, regarder votre liste d'historique si vous aviez un souci, etc. Donc ça, c'est plutôt voilà. Alors c'est un draft. Donc, comme c'est malheureusement le cas, les drafts bougent souvent avec quelques paramètres. Mais en tout cas, c'est un draft à suivre, enfin, je trouve intéressant. Un autre draft pour ceux qui sont plutôt typés natifs, c'est pas de, donc encore une fois, c'est pas de s'authentifier nativement sur une application, mais plutôt de faire un SSO sur mobile. L'idée, c'est de dire une fois que j'ai une première application qui s'est authentifiée via le PKCE, si j'ai une autre application qui m'appartient, comment je peux faire
pour ne pas redemander à mon utilisateur de s'authentifier. Typiquement, nous, nos vendeurs en magasin, ils ont des smartphones professionnels pour avec des applications pour gérer leur stock, leur prix, leur catalogue. Et finalement, c'est toute une myriade d'APK ou d'applications Android. Et aujourd'hui, soit on a une application qui chapeaute le tout, soit chaque application doit s'authentifier, ça peut vite devenir rébarbatif. Si, ici, si ce n'était pas un draft, parce qu'on ne l'a pas implémenté, l'idée c'était de dire la première application qui s'authentifie précise via un scope, j'en parlerai plus tard plutôt typé OpenID, un scope qui s'appelle Device SSO. Et du coup, dans la réponse, en plus des access tokens, ID token, refresh token, etc., il va récupérer un device secret qu'il aura à charge de mettre dans un espace sécurisé du mobile. Et c'est là une des raisons pour laquelle c'est encore un draft, parce que du coup, on se repose sur des mécanismes de sécurité natifs de l'OS sur lequel on se trouve. Et à partir de là, vos autres applications de votre domaine pourront aller dans cet espace sécurisé, récupérer le secret. Et avec ce secret et les autres informations, demander directement un token sans devoir réauthentifier l'utilisateur. Donc encore une fois, c'est un draft, mais si jamais vous faites du mobile, ça peut être un draft que vous pouvez suivre. C'est un draft qu'a suivi en partie Apple. Il y a eu Apple, pas sur la keynote de cette semaine, mais sur une précédente keynote, ils ont annoncé un login by Apple. Et en fait, ils se sont fait très décrier parce qu'ils ont finalement un peu en partie copié OpenID en se laissant des libertés. Et finalement, les points de liberté qui se sont pris, c'était justement des failles de sécurité qu'OpenID avait corrigées. Pour le coup, un peu dommage. Donc voilà pour les flows. Là, l'idée, c'était de dire finalement tous les moyens de récupérer ce fameux token. Donc une fois que je suis authentifié, je suis sur une application, je vais appeler mon API en passant en paramètre header ce fameux token. Et du coup, à partir d'ici, je vais commencer maintenant à parler plutôt de. Alors c'est du malheureusement déjà vu, mais avec des petits détails qui parfois peuvent tout simplement casser votre sécu. Le premier, qui n'est pas vraiment une faille, c'est plus la notion symétrique et asymétrique. Si, bon, j'espère que vous. Enfin, en gros, pour résumer, un symétrique, c'est que j'utilise la même clé pour chiffrer et déchiffrer, ou signer, ce qu'on peut faire. Non, là, plutôt du coup déchiffrer, enfin chiffrer. Donc du coup, on parle généralement de shared secret parce que le secret est partagé entre les deux parties. Et ensuite, tout ce qui est asymétrique, c'est que vous aurez une clé pour chiffrer et une autre pour déchiffrer ou signer et valider. Et alors pourquoi ici on a un souci? Tout simplement parce que quand vous avez un shared secret, vu que c'est le même pour chiffrer pour déchiffrer, on va tout simplement pouvoir faire du brute force. Donc ça, c'est un peu la démo que je voulais montrer. C'est du déjà fait. Ça marche, je vous le dis tout de suite, uniquement si votre clé ou votre secret est petit. Donc là, ce que je vais faire, ici je suis authentifié. Donc, il y a une autre mauvaise pratique, je vous en parlerai plus tard, c'est de stocker votre access token en local storage. Je vous montrerai juste après pourquoi. Mais là, en gros, sur cet access token, qui est alors JWT, je suppose que ça parle à tout le monde aussi. Juste en gros, à quoi ça ressemble. Cet access token, ici, c'est un JSON Web Token. Donc c'est un token, c'est du base 64, enfin c'est du JSON qui est encodé en base 64 et puis qui est ensuite signé. Donc ici on voit qu'on est sur de l'algo. Donc le header généralement possède des attributs. Ici on a plusieurs attributs possibles. L'alg pour l'algo qui est utilisé pour le chiffrement ou la signature. Donc ici on est sur la signature. Vous avez du JWE pour plutôt du chiffrement. Vous avez des paramètres comme KID pour Key ID. J'en parlerai après, mais c'est ce qui permet de faire de la rotation de clés. Enfin bref, je reviendrai éventuellement, même certainement sur le contenu. Et donc là, vous avez pléthore de librairies sur GitHub qui permet de faire du brute force. Je suis pas sur le bon repo, paf. Ouais. Plus. Hop, time. Je sais pas si vous voyez du coup à peu près. Bon, en gros, je lance une commande sur le token. Ça va tourner pas bon, un peu moins d'une minute. En gros, ce qu'il fait, c'est qu'il va commencer par A, AB, AC, AD. Tout simplement, il va faire une séquence et puis jusqu'à ce qu'il retombe sur le token. En gros, c'est simple, comme c'est un shared secret,
il essaye de déchiffrer le contenu systématiquement avec le token qu'il a généré. Donc ici, on voit qu'en 77 secondes, il a vu que le secret était D4, DECAT. Alors, encore une fois, oups, j'espère que ça va. C'est bon. C'est pas une vraie faille, parce que si vous utilisez une clé qui fait 128 caractères, ça sera en brute force, c'est quasi impossible. Mais vous avez plusieurs librairies différentes. Vous avez des brute force qui vont plutôt utiliser des bases de password les plus utilisées. Et puis, enfin voilà, vous avez du coup des moyens d'optimiser un peu vos attaques. Dans tous les cas, c'est vraiment la taille de la clé qui importe. Et c'est pareil sur certaines briques d'authentification. Si vous mettez des petits secrets, généralement, ils vous envoient bouler. Si à l'inverse, vous mettez des 4 comme ici, ça n'a pas été le cas, j'ai dû faire mon propre truc. Et ben, du coup, enfin, voilà, si vous pouvez mettre des petits passwords, encore une fois, changer de solution, c'est qu'il faut, il faut voir autre chose. Par contre, ici, l'avantage de la symétrique, au-delà du brute force qui paraît, qui est finalement un faux argument, c'est la notion de séparation entre deux clés, une pour signer et une pour chiffrer. Et en fait, l'avantage, et on va le voir après avec OpenID, c'est qu'en en ayant une clé qui sert uniquement à chiffrer et une clé uniquement à déchiffrer, ici on parle plutôt de signature et de validation, je vais pouvoir exposer publiquement mes clés pour dire bah, à n'importe qui, si vous voulez valider un token qui vient de chez moi, voici la clé tout simplement. Et donc ce qui est pratique, c'est que c'est normé, on verra peut-être plus tard avec OpenID Connect, mais vous avez un endpoint qui s'appelle le JWKS URI, qui est tout simplement le enfin, JWK7 finalement URI, et qui expose les clés. Et l'idée, c'est de dire, ben, je peux exposer plusieurs clés, et le jour où je dois changer, eh bien, les providers, enfin les API, plutôt que de saisir en paramètres directement dans votre application la clé qui sert à valider, vous donnez juste l'URL et à chaque fois que vous bootez ou avec un système de cache, vous récupérez régulièrement les nouvelles clés. Et du coup, un Google ou un autre, votre authorization server peut tout simplement changer la clé sans devoir faire une mise en prod synchronisée avec toutes les API de la boîte. Je pense que l'intérêt, vous le voyez, il est vraiment sur la notion de rotation de clés. Et du coup, chaque clé a un identifiant. Et il apparaît dans un attribut KID du payload, du header de votre JWT. Voilà. Je touche à rien pour l'instant, mais hop. Un autre problème, ça va être la redirect query. Alors par contre, il va falloir le. Hop. Quand on utilise le flow, ce dont je vous ai pas forcément dit, c'est que généralement, si je prends cet exemple-là, dans ma première requête. En fait, on perd le contexte. Si je suis sur un site web, je pars chez Google et donc je ne suis plus dans mon application. Donc il faut bien que je dise à Google, une fois que l'utilisateur est authentifié, il faut que tu le rediriges chez moi. Et le chez moi, c'est, on lui donne une redirect URI. Et il est évident que une des premières fonctions de l'IDP, c'est de vérifier que la redirect URI que vous lui donnez est la bonne. C'est-à-dire que si je récupère une URL d'authorization server, enfin d'authorize, pardon, et je mets ma redirect URI à moi pour essayer de récupérer finalement ce fameux code ou ce fameux token, la brique d'IDP, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle va vous envoyer bouler pour dire mais non, la redirect URI que tu m'as passée ne fait pas partie de l'application dont tu es en train de communiquer avec moi. Par contre, il y a des mauvaises pratiques qu'on voit régulièrement sur la gestion de la redirect URI. Et ici, c'est une histoire qui a été, c'est une faille qui a été même faite, appliquée chez GitHub, et plus particulièrement sur leur outil qui s'appelle Gist. Donc Gist, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une plateforme qui permet de partager du code. Donc vous mettez des petites snippets de code et vous pouvez les partager, enfin les garder privés ou les partager ou les rendre publics. Et en fait, du coup, Gist, ce qui se passe, c'est que c'est toujours le même domaine. C'est gist.com, enfin je ne me rappelle plus, mais c'est toujours le même domaine. Et en gros, la faille qu'on peut retrouver, donc là je vais revenir sur l'application, je vais me déloguer. Cette fois-ci, je vais utiliser le bouton pour faire l'authentification. Ça, je vais le killer. On espère, hop. Hop. Donc là, je me log. Et en fait, je suis bête. Ce que je voulais montrer, c'était l'URL qui était là. Si j'inspecte ou je copie l'adresse du lien, en espérant, alors je vais essayer de zoomer. Je vais faire un atome. Hop. Je sais pas si je peux.
Hop, ok, commande plus. Bon, faut que je passe, mais en gros, vous avez plusieurs paramètres. Vous dites, je suis, voici, donc je suis sur le Authorize Endpoint, je suis l'application celle-ci, je demande un token, je file un state. Bon, ici, j'ai pas bien respecté les bonnes pratiques, hein. Le state, normalement, c'est un random, et je donne une redirect URI. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre cette URL, je vais juste mettre à la place de login, je vais mettre hack ou slash hack. Alors là, désolé, je vais vérifier normalement. Hop, ouais, c'est tout deux points points, donc c'est bien celui-là. Finalement, je vais faire ce qu'on appelle de la réécriture d'URL. Et donc, sur le login, je vais demander à revenir en arrière et je vais changer. Donc imaginez, si on prend l'exemple de Gist, l'idée c'est de dire je m'authentifie sur mon compte, sur Gist slash lusoalex, qui est mon ID GitHub. Par contre, une fois que je suis authentifié, tu me rediriges vers lusoalex, bah ça marche, point point et un compte d'un de vos copains. En fait, l'idée, le problème ici chez GitHub à l'époque, c'est qu'ils ont wildcardé les URL. Et donc en gros ils ont dit moi tout ce qui est gist.com ça match, ça marche. Et donc ici ce qui se passe c'est tout simplement vous êtes redirigé vers la mire de login en question. Ouais, c'était là. Et sauf qu'après le browser lui va interpréter l'URL et va vous rediriger vers une autre page. Donc ici c'est juste pour l'effet démo, mais en gros je suis sur une autre page du même domaine. Pourquoi est-ce que c'est alors quelque chose que je ressors ici, c'est que je pense en tant que dans une entreprise, il est généralement commun d'avoir toutes les applications hébergées sous le même domaine. Vous avez souvent un nom de domaine privé après avec votre application. Et donc si vous commencez à wildcarder le reste des URL, parce que généralement la bonne raison des développeurs est de dire mais moi je pense à l'UX et je veux garder le contexte dans lequel mon utilisateur se trouvait. Donc s'il était sur la page de catalogue, j'ai envie de le rediriger vers la page de catalogue et pas de le rediriger vers une autre page. Et donc en général, on met dans les paramètres d'où il vient. Et du coup, il faut wildcarder les URL parce que la bonne pratique sur un auto-chain serveur, c'est de faire de l'exact matching, c'est qu'on vérifie caractère après caractère. Et donc du coup, on refuse généralement tout ce qui est. Enfin, tout ce qui n'est pas. On vérifie caractère par caractère. C'est tout simplement. Il n'y a pas de. Donc ça, c'est quelque chose que je vous invite à vérifier. Est-ce que vos redirect URI sont wildcardés? Et si oui, bah, sachez que c'est pas une bonne pratique. Non, c'est toujours pas celui-là. Donc là, je reviens sur la presse. Je vois que le temps passe vite, je vais devoir accélérer un peu. Le state, si, alors là, je rentre un peu dans le détail, mais si vous allez dans les spécifications OAuth 2, il vous passe plein de paramètres, et le state en fait partie. Et le state, souvent, enfin dans tous les cas, est annoncé comme optionnel. Et en fait, il ne faut pas le rendre optionnel. Enfin, idéalement, ils devraient même changer leur spec. Il est obligatoire. Enfin, partez du principe qu'il est obligatoire. Il est là pour vous protéger de tout ce qui est injection et enfin, attaque XSRF, etc. Et donc, ça permet finalement de vérifier que celui à qui vous avez passé le paramètre est bien celui qui vous répond et qu'il n'y a pas de man in the middle, etc. Donc, de manière générale, quel que soit le flow, partez du principe que le state est obligatoire. Et d'ailleurs, j'aime bien une des libs .0 qui ils fournissent des SDK en JavaScript. Le state est obligatoire en fait. Si vous ne voulez pas l'utiliser, vous êtes obligé de passer un paramètre à false. Mais par défaut, ils ont bypassé la spec et ils l'ont rendu obligatoire. Donc c'est vraiment une bonne pratique à ce niveau-là. Le logout, c'est un autre effet qui se coule. Ici, je vous ai montré que l'access token est. Donc je vais revenir sur ma mire de login. Hop. Que l'access token est dans le cache. Et en fait, généralement, ce que j'ai déjà vu, c'est qu'on se dit, bon, bah, pas de problème. Lorsque je vais faire un logout, je vais tout simplement vider mon contexte dans le navigateur. Du coup, comme il n'y a plus de token, je suis délogué. Le problème, c'est que la plupart du temps, et c'est ce qui va arriver avec un Google, un Facebook, vous avez votre navigateur qui lui a un cookie de session avec votre mire de login. Et c'est pour cette raison exacte que j'ai beau me déloguer, si je reclique sur le bouton, j'ai toujours pas de login password à mettre parce que j'ai mon cookie de session avec l'IDP et donc en fait, je ne suis pas réellement délogué. Je suis délogué localement sur l'application, mais pas de l'authorization server. Donc ça, c'est aussi une erreur qui est régulière que j'ai souvent vue. Et donc quand un vrai logout, c'est un logout où je vais me déloguer auprès finalement de mon authorization server. Hop. Ensuite, quelques petites astuces aussi ou bonnes pratiques pour améliorer votre API. Ici, ce que je vais vous montrer, je vais me loguer avec un autre compte.
Normalement, vous connaissez tous les scopes, enfin, j'espère, mais sinon j'en parle. Oui, donc là, par contre, je suis. Ouais, c'est pas grave. Parce qu'il faudrait que je me déloque. En gros, les scopes, quand vous vous authentifiez sur une application quelconque, avec votre compte Facebook, vous avez parfois. L'application demande à accéder à votre liste d'amis Facebook. Et donc, ce genre de message, c'est tout simplement des scopes. C'est qu'en fait, un scope, finalement, c'est une notion de consentement. Moi, utilisateur, je consens le client, donc le client ID, à accéder à une ressource qui m'appartient. Et donc, lorsque vous authentifiez sur une application quelconque avec votre compte Facebook et que vous avez la pop-up qui dit l'application souhaite accéder à votre date de naissance, vous allez avoir dans le fameux dans le token qui est généré un attribut scope avec égal birthday et comme quoi vous avez, si vous avez dit oui, accepté à ce que l'application en question accède à votre date de naissance. Donc cette notion de scope, c'est vraiment une notion de consentement, c'est de la donnée qui est plutôt rattachée à une personne. Et donc c'est, voilà, moi, utilisateur, je consens une application à accéder à une donnée. Ça, avec tout ce qui est GDPR, etc., c'est un must-go. Vous avez même l'obligation sur vos API, dès lors que vous avez de la donnée personnelle, de scoper vos données. Un exemple tout bête, on est en train de développer en ce moment developers.decathlon.com. Aujourd'hui, je vous invite d'ailleurs à regarder, pour l'instant, il n'y a pas de console, mais il y a un contenu à peu près statique, mais n'hésitez pas déjà à jouer avec ce qu'il y a. Et en gros, ce qu'on est en train de développer, c'est la future console, c'est-à-dire je me log, je crée une application et je vais pouvoir souscrire à des API. Et du coup, on est en train de mettre en place un scope developers qui permettra finalement d'accéder à moi en tant que développeur, quelles sont mes applications, quels sont mes API keys, quels sont tout simplement les API auxquelles j'ai souscrit. On considère que ça reste de la donnée qui est rattachée à un compte utilisateur, et donc le scope est la bonne pratique. Par contre, tout ne peut pas être scopé. Le catalogue d'un site e-commerce, c'est pas une donnée. Je vais moi pas consentir une application à accéder au catalogue. Le catalogue est une donnée publique, en tout cas qui n'est pas une donnée personnelle. Ici, vous avez une autre spécificité de la norme OAuth 2. Ce que je vous parle, c'est vraiment des. Enfin, c'est de la. En fait, si vous lisez les RFC généralement, c'est voilà, c'est vous vous retrouvez sur ce genre de choses. Alors. Scope et audience, c'est les deux vilains petits canards où il faut aller creuser dans d'autres specs que OpenID et OAuth. Mais audience, l'idée c'est de dire j'autorise ce token à accéder à une API. Donc la notion, elle n'est plus d'accéder à une ressource de données qui appartient à quelqu'un, elle est de dire ce token, son périmètre d'accès et son champ d'action, il est de API A, API B, API C. Et ça, c'est une bonne pratique parce que si je prends l'exemple de Decathlon, on a finalement des tokens qui sont signés, donc on est capable de vérifier l'identité de la personne. On peut vérifier son métier. Est-ce que toi, tu es vendeur en magasin, tu appartiens à un V2? Très bien, tu ne peux pas accéder aux données du magasin Ronc. Ça passe. Par contre, ce token qui est signé, s'il n'a pas d'audience, potentiellement, il donne accès aux API à d'autres API, en fait. Et donc, si à un moment donné, le token il fuit ou il se balade quelque part, on pourrait potentiellement l'utiliser pour accéder à d'autres types de données en nom de cette personne-là. Et donc finalement, l'audience, ça permet tout simplement de réduire le champ d'action de votre token. Oui, c'est bien Alexandre qui est derrière le token, mais si tu essayes de l'utiliser pour un autre usage que pour lequel il a été généré, vous serez rencardé. Ça, c'est le sujet sur lequel je suis en train de travailler en ce moment. Je trouve pas beaucoup de retours d'expérience, malheureusement. Si jamais vous en avez, n'hésitez pas à me partager. En tout cas, je suis en train de travailler. J'ai vu un peu d'autres zéros. Enfin, j'essaie de regarder un peu à droite, à gauche. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup de use case. Je pense qu'il est plus lié à un domaine d'entreprise où vous avez beaucoup d'API, donc il n'est pas forcément utilisé, contrairement au scope. Mais en tout cas, si dans votre entreprise, si vous avez plein d'API, c'est clairement the way to go. Enfin, je vous ai parlé au tout début. J'essaie d'accélérer parce que le temps défile vite. Je vous ai parlé, donc voilà, pour protéger une API, la première chose, c'est de mettre en place une brique séparée pour l'identification et l'authentification. Vous mettre un layer de sécurité. Gardez bien en tête que voilà, le rôle d'authentifier appartient à une brique autre. Et vous, en tant qu'API, votre rôle est un de valider les tokens. Et ensuite, donc c'est plutôt la partie est-ce que la personne est bien authentifiée et je sais qui il est. Et après, faire ce qu'on appelle de l'autorisation. Est-ce qu'il a les scopes qui conviennent? Est-ce que les audiences sont correctes? Et puis ensuite, vous appliquez votre layer plutôt métier. Comme l'exemple que je donnais tout à l'heure, est-ce que c'est un vendeur en magasin? Oui, donc il peut accéder aux données magasin. Est-ce qu'il est bien rattaché au magasin auquel il essaye d'accéder? Etc. Et donc là, on n'est plus sur des valeurs métiers, et c'est bien au rôle de l'API de le gérer, et non pas à une brique d'authentification. La brique d'authentification, elle va gérer des audiences et des scopes, mais elle n'est pas là
pour gérer votre sécurité et vos règles métiers. De même que la brique d'API Management. Donc une brique d'API Management, grosso modo, c'est une brique que vous allez mettre entre vos consommateurs, donc vos clients, et vos API. Et les briques d'API Management apportent énormément de features, pas que sécurité, beaucoup de choses qui vont vous permettre d'accélérer. Et une mauvaise pratique sur laquelle j'ai pas mal lutté aussi à Decathlon, c'est tout simplement qu'une API essaye de déporter ses règles métiers, donc de validation au sein d'une brique d'API Management. L'API Management, un des avantages, c'est qu'il va pouvoir prévalider vos tokens finalement, vérifier la partie signature. Et du coup, l'avantage que j'y vois, c'est que vos API ne vont recevoir que des appels valides. Et elles vont pas se. Finalement, tous les appels en 401, c'est l'API Management directement qui les aura filtrés. Donc ça fera moins de charges pour vos API. Par contre, ce ne sera pas l'API Management qui dira oui, c'est un vendeur qui a le droit d'accéder à telle ressource. Ça reste bien du domaine, tout ce qui est métier, ça reste bien de la responsabilité de l'API. Et donc, les briques d'API Management, donc dans la démo qui tourne actuellement, grosso modo, j'ai une app Angular, c'est ce que je vous ai montré, c'est une mire de login. Je ne suis pas développeur front, donc il faut m'excuser si c'était. Enfin, c'est le mieux que je pouvais faire. Et j'ai un peu l'HTML, etc. en allergie, mais bon, ça c'est pas très grave. J'ai utilisé une brique d'authorization server, donc les fameux le bouton log with quelque chose. Donc c'est une brique d'authentification, identification, autorisation. J'ai utilisé ici pour la démo une stack qui s'appelle gravity.io, qui propose finalement deux stacks, l'authentification dont je vous ai parlé, et aussi une brique d'API Management. Ici, ce que je vais vous montrer, c'est quelques features d'une brique d'API Management. Et donc derrière, j'ai l'API, une API qui est disponible en Spring Boot. Première chose, l'API key. J'ai souvent vu, c'est bon, j'ai une API key, je suis sécurisé. C'est une API key, vous la retrouvez dans le code de votre single page, vous la retrouvez dans l'application mobile. C'est pas de la sécurité. Par contre, elle est très utile. Déjà, si vous avez une open API ou pour accéder à du catalogue dans lequel vous n'avez pas besoin d'authentifier, vous imaginez bien que sur Decathlon.fr, bon, j'en profite pour prendre l'exemple, on ne va pas vous demander de vous authentifier pour accéder au catalogue. Vous allez d'abord voir le catalogue et si vraiment il y a quelque chose qui vous plaît, vous allez vous authentifier pour passer une commande. Donc ce serait une hérésie de demander finalement sur l'API catalogue, merci de t'authentifier au préalable. Et du coup, vu qu'on ne peut pas s'authentifier, il n'y a pas 36 moyens. C'est l'API key. Et donc l'API key, à défaut de vous sécuriser, elle permettra de vous mettre en place des analytics, des quotas, etc. Et donc de savoir qui vous appelle. Par contre, encore une fois, ne partez pas du principe que l'API key fait votre sécurité. Ça sera juste utile pour de l'analytics. Un exemple tout bête, hein, mais si une application se fait voler son API key, vous avez deux choix. Si vous n'avez pas d'API key en place, ben, l'application elle continuera d'utiliser votre API. Si vous avez de l'API key en place, vous révoquez cette API key et vous n'impactez pas tous vos autres clients qui sont en train de consommer l'API. Par contre, si vous êtes. Voilà, donc ensuite, donc c'était le premier point. Une deuxième feature que peut vous apporter l'API Management, c'est de mettre du limit en place. Donc tout ce qui est rate ou quota. Vous avez du rate limiting qui est plutôt sur de l'intervalle de durée courte, une seconde. Quelques secondes. Donc là, on va éviter de se faire encaisser trop d'appels sur sur un instant de T. Et puis les quotas, c'est plutôt de dire, bah tiens, typiquement sur les portails, si vous imaginez des plans d'accès, l'API avec un plan gratuit, mais tu peux t'es limité à 1000 appels par mois, et puis ensuite des plans en gold, silver, etc., où vous allez pouvoir du coup démultiplier les appels. Donc ça, c'est la mise en place de quotas et la brique d'API Management permet de vous le faire. Donc c'est vraiment pratique quand vous avez 50 API chez vous, plutôt que de refaire 50 fois les features, finalement vous reposez sur une brique d'API Management qui permettra de vous le faire. Donc nous, c'est le choix qu'on a fait à Decathlon. Et un exemple, logiquement j'ai une API, je dois avoir une requête. Ici, je fais un appel d'API dans lequel je passe mon API key. Bon, je vais aller en gros pendant 10 secondes, je vais envoyer le maximum de requêtes possible. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai configuré un plan sur lequel j'ai autorisé pas plus de 100 requêtes. Et donc, au bout de 10 secondes, finalement, alors on voit plus ou moins, mais en gros, on a généré 3450 requêtes. Mais sur ces 3450 requêtes, il y en a 3353, donc 100 de moins. Enfin, il y en a 3350 en erreur parce que j'ai autorisé que 100 requêtes. Donc, on fait la différence. Et donc on voit bien que finalement que ici c'est du rate limiting, j'ai pas pu faire plus d'appels que les 100 que j'ai configurés à plus ou moins 2, 3 nombres d'appels parce que forcément on n'est pas. Soit vous faites du bloquant et vous faites un compteur synchronisé et donc vous allez pénaliser vos performances, soit vous vous autorisez une certaine latitude
sur vos appels. Vous avez ensuite la gestion des corses. Alors, c'est pas vraiment de la sécurité. Finalement, en fait, la sécurité, c'est plutôt la SEM Origin Policy. Et tous ceux qui font du front ont forcément été confrontés avec ces problématiques-là. Et donc, généralement, vous voyez votre browser qui bloque vos requêtes. Et en fait, la SEM Origin Policy, l'idée, c'était de dire le navigateur va bloquer les requêtes qui vont vers un domaine différent. L'idée, c'était quoi? C'est que si jamais vous avez sur une application, vous allez sur un site web, et en fait, vous avez déjà un SSO en cours, une session active sur votre Facebook. Au préalable, donc avant cette politique, vous pouviez avoir un bout de JavaScript malicieux dans l'application du site web sur lequel vous étiez, qui faisait des appels à Facebook, qui, comme vous étiez authentifié, permettait de récupérer vos données. Donc ici, l'idée, c'est de dire, ben non, à partir du moment où tu sors du domaine, je te refuse. Mais du coup, quand on consomme de l'API, on est rarement sur le même domaine, et donc on a plutôt ce qu'on appelle le corse. Et alors pourquoi je vous en parle ici dans la brique d'API Management, c'est qu'ici, vous allez pouvoir configurer votre corse directement au niveau de la brique. Parce que vous pouvez configurer vos domaines, soit vous wildcardez et vous dites finalement je m'en fous, tout le monde peut me consommer, soit vous autorisez finalement une liste de domaines. Et donc, plutôt que de le faire API par API, vous allez pouvoir le configurer directement au niveau de la brique d'API Management sans devoir tout redévelopper pour toutes vos API du SI. Bon, après la notion de circuit breaker, comme le temps passe vite, je vais pas faire la démo, mais en gros, ici, enfin, en gros, je me contredis, mais ah, là, c'est pas une bonne pub. L'idée, c'est que finalement, je pense que vous connaissez tous la notion, le design pattern circuit breaker, c'est je ping mon service et tant qu'il est dispo, mon circuit est fermé, donc je laisse passer le courant, donc je laisse passer mes appels. Vous avez ces notions de circuit breaker également dans les briques d'API Management. Vous le donnez un endpoint de health check ou de ping, et dès lors que votre API sera indisponible, vous avez plusieurs politiques. Soit vous routez du trafic vers un autre endpoint, soit vous décidez tout simplement de répondre tout de suite un 500, et du coup, au moins, vous évitez finalement ce qui est pénible, c'est le timeout. Une petite histoire qui. Alors, pour dédouaner, qui remonte d'il y a 15 ans, mais j'ai déjà eu, moi, une fois une application. J'ai un développeur qui a écrit une requête SQL et qui me dit j'ai une erreur SQL, donc Aura pour pas faire de référence à la marque. Et en gros, l'erreur, c'était qu'il ne pouvait pas mettre plus de 1000 éléments dans un selecting. Donc je dis bah écoute, c'est facile, tu découpes, enfin tu gères ça, il n'y a pas 36 solutions. Et malheureusement, le vendredi soir, je me suis retrouvé appelé pour du support, enfin pas moyen de rentrer à la maison. En creusant, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a bouclé sur la même requête en mettant des or in, or in, or in. Comme ça, il s'est dit, bon, bah, du coup, je mets pas plus de 1000 éléments dans ma requête. Du coup, le SGBD a planté. Le SGBD ayant planté l'application, bah, l'utilisateur, qu'est-ce qu'il fait? Il n'arrête pas de cliquer. Du coup, c'est toute l'application qui pète. Et pas de bol, l'application, on avait un serveur HTTP qui couvrait plusieurs applications. Donc, du coup, le serveur HTTP est tombé, toutes les applications du domaine sont tombées. Donc vraiment, juste pour une requête SQL. Ici, l'idée, hein, si vous comprenez bien, votre API, elle est HS, ben je réponds 500 tout de suite. Donc plus de raison de garder des threads, ou en tout cas des connexions, ou en tout cas d'attendre après votre API. On vous laisse le temps de redémarrer, et dès lors que vous revenez en vie, vous êtes rebranché. Bon, après, vous avez les possibilités de faire du dynamic routing, de router vers, je vais pas donc faire de l'A/B testing, etc. Enfin, c'est pas vraiment l'A/B testing, mais en tout cas, vous pouvez. Je prends l'exemple même de Decathlon. Hein, on a des API, on est présent dans plusieurs pays du monde, et toutes les données ne sont pas centralisées en un point. Donc, du coup, comment je fais lorsque je veux accéder au magasin qui se trouve en Argentine? Eh bien, on a une règle qui, en fonction du numéro de magasin, va connaître le bray endpoint. Et donc, l'idée, c'est de dire finalement, moi, en tant que développeur, j'ai pas à savoir quelle est l'architecture de l'API qui est derrière. Je vais juste appeler un endpoint unique qui est géré par l'API Management, qui lui, du coup, a la capacité de router en fonction de certaines règles mon appel. Etc. Et enfin, surtout, peut-être un des points les plus importants, c'est finalement plutôt ce qu'on appelle aujourd'hui l'observabilité, qui est finalement le fait de pouvoir faire du monitoring et donc de savoir tout simplement qui vont consommer le top 5 des appels. Le top 5 de vos clients, le top 5 de vos API les plus lentes, etc. Et donc d'améliorer votre API en fonction de données concrètes. J'ai tenu l'heure en accélérant un peu. Donc, dans les liens que je vous fournis, bon, il y a JWT, le lien de l'OASP, il y a les liens vers le brute force pour le JWT. Deux versions, une bête
qui brute force en séquentiel, une qui va plutôt vous donner la possibilité de lui passer un fichier de mot de passe, et du coup vous allez sur GitHub, vous tapez 100 passwords, 1000 passwords ou 1 million passwords, et vous allez retrouver des fichiers avec les passwords les plus utilisés. C'est très facile à retrouver. Et puis sur tout ce que je vous ai dit, donc il y a un article de blog avec exactement le contenu en fait de la presse, mais en blog. Voilà, j'espère que ça a été. Est-ce que vous avez des questions? Il ne faut pas hésiter. J'espère que je vous ai pas assommé. Oui? Je vais prendre un micro. Alors, non, nous, on n'a pas eu. Alors, oui, je peux répéter la question. Donc, est-ce qu'on a eu un besoin de pouvoir en recréer en très grand nombre et rapidement, je suppose, un nombre de client-ID, donc d'applications, donc plutôt pour l'IoT. Donc, à Decathlon, non. Par contre, je peux te dire qu'il existe une spec qui s'appelle le Dynamic Client Registration, qui est une spec standard d'OpenID qui permet, c'est un endpoint qui te permet de créer, en fait, déclarer ton application. Et dans la spec, il y a l'open, enfin on peut l'avoir en open, c'est-à-dire finalement vous allez autoriser une ou n applications à créer de façon via des appels d'API vos client ID, client secret avec plein de paramètres. Et donc si tu as ce besoin-là, c'est clairement cette spec-là qu'il faut regarder. Et c'est un standard qui est implémenté par toutes les solutions. Ici par exemple, même Gravity, c'est le cas. Une autre question? Oui. Alors, oui, c'est open source. Ah, excusez-moi, bien vu. Donc, j'utilise Gravity uniquement pour la démo. Est-ce que c'est open source? Est-ce qu'on l'utilise au-delà? Donc, oui, c'est une solution open source. On l'utilise en production. C'est une très bonne solution. En fait, en 2 secondes, enfin, après, forcément, si j'utilise, je ne serai forcément pas objectif, mais le meilleur composant, à mon point de vue, c'est la gateway. En plus, il y en a quelques-uns dans la salle, donc je fais attention à. Mais le meilleur composant, c'est la gateway. Clairement, elle encaisse et elle tient. Si, pour la mettre en défaut, faut y aller. Donc, on avait, je crois, moins de 3 millisecondes d'overhead sur les appels d'API. Enfin, c'était et à partir de là, ça suffit pour partir. Et ils ont plein de features. Donc, ceux qui, enfin, y en a dans la salle. Donc, je vous laisse après voir avec eux. Ils seront meilleurs que moi pour vendre la solution. Alors non, nous on utilise uniquement l'API Management. Aujourd'hui sur la brique d'authentification, on a une autre solution en fait qui était déjà en place avec un LDAP, etc. Et du coup on n'a pas switché. Mais comme ça suit les standards, ça se plug sans problème. Et du coup vous pouvez partir soit avec les deux, soit avec une, ou partir que sur de l'authentification. Enfin, c'est des solutions qui sont autonomes et qui peuvent aussi travailler ensemble. Il y avait une question par ici, oui. Parce que, alors pourquoi est-ce qu'il est déconseillé de stocker l'access token en local storage? Très bonne question. Alors déjà, le local storage, il est accessible par toutes les applications du domaine. Donc du coup, on parlera, enfin, ce qui est vrai aussi pour le session storage. Il y a local storage, session storage. Déjà, entre les deux, si vraiment vous l'utilisez, utilisez session, parce que l'avantage du session, dès lors que vous clôturez votre table, il purge le contenu. Donc ça permet au moins de vraiment virer le contenu. Tout simplement parce que est-ce que tu as vérifié tout le code source de toutes les librairies JS que tu utilises dans ton application? Et donc, est-ce que tu es capable de dire que non, il n'y a pas un JS qui va sniffer ton contenu et qui, de façon aléatoire, de temps en temps, va aller le balancer quelque part? Et en fait, le local storage, il est accessible par ta page en question. Mais comme tu embarques tout dans ton application, c'est le cas. Donc, c'est peut-être un peu trop extrémiste comme raison, mais ça reste une raison déjà valable. Et de toute façon, il faut plutôt se protéger. Il y a eu plein de choses. C'est quelque chose qui reste possible. Et du coup, la bonne pratique, nous en tout cas à Decathlon, ce qu'on pousse, c'est tout simplement de la stocker dans une variable JS en mémoire en gros, et donc ne pas la mettre dans le navigateur. Est-ce qu'il y a une autre question?